International lady, Toby killing on my dear. Kuruma on Toby only, kaken as a silver beach. Come on baby, get your man cause you are waiting. Boshino, kagene kimiwa, it's another poker face. Ikari habite, hajike desu, my heart. Kono atsui suna no yakusoku, don't forget. Shio kaze, oh come on baby, oh I be at the cool hazard. Looks bright in the sun. Go lady, Kimi for your baby. Go baby, he don't say your name. Say your name. Salutations, K4, Veni et compagnie, bien le bonsoir. Bravo K4, félicitations, c'est un magnifique sub que tu nous claques là. Nous sommes tous et toutes ravis de ta décision. Et au nom du Flubb, je te dis merci. Nous sommes tous et toutes prêts pour aller non pas au pub mais au pont. Pont suspendu bien sûr. Le pont des volte-face même, probablement celui-là. Et on s'y retrouve parce que, à l'autre bout de ce pont, apparemment se trouve une jeune femme qu'on a vue dans cette coupure publicité, qui ressemble étrangement à Dahlia slash... j'ai oublié de son autre nom. Ouais, voilà, le puits des volte-face. Cette personne-là... Pas mal, non, c'est français. C'est très poche, ça, en effet, Véli. Merci pour ce deuxième sub en l'espace de quelques minutes. Et en plus, on commence presque à démarrer un train de la hype. Je vais vous lire, je me sens d'humeur folle. Je vais déjà gérer un petit peu cette webcam parce qu'elle me saoule. En fait, là je coupe très vite, c'est très simple, c'est parce que, regardez, oh, en fait il y avait de la place. Tiens, c'est bizarre, ça le fait pas, avant il y avait... Ah non, ok, ça baigne. Je vais juste me mettre un peu plus... C'est par là le centre? Je suis perdu, je sais pas. Ok, ça a l'air d'être bon, c'est quoi? C'est ça. Voilà, très bien, très... Oh, merde, bon bah j'aurais plus le temps pour lancer le train. Ils ont baissé le temps, il me semblait que c'était beaucoup plus permissif. Bon, c'est pas grave. Pas de chouchou, on est là entre conducteurs chevronnés de la hype. Merci Benny. Donc cette personne, apparemment on la connaît, ou elle nous rappelle quelqu'un, donc on va voir tout de suite de l'autre côté du pont. On a survécu, c'est déjà pas mal. Et on va investiguer. 7 février, portail du temple intérieur. Waouh, ce pont tremblait comme de la gelée pendant le tremblement de terre. Pendant un tremblement de terre, bien sûr. 3 petits points. Et je te parie qu'au moins la moitié du pont est pourrie. On rappelle, je crois que Phoenix a le vertige, donc c'est déjà pas mal qu'il a réussi à passer. Et je ne parle même pas du dernier mètre où il restait qu'un bout de planche. Qu'est-ce que t'as? T'es tout vert. Tu pourrais me laisser respirer 2 secondes? Oh, j'essaie encore d'assimiler le fait qu'on ait pu le traverser sans y laisser nos vies. Ouais, j'avoue que moi aussi, je suis un peu surprise. Bah, ce temple est dans un état pitoyable, on dirait qu'il est prêt à s'écrouler. J'imagine que les gens n'y vont pas très souvent. C'est vraiment là que tu vas t'entraîner ce soir? On dirait, ouais. C'est vraiment angoissant par ici, comme si... un fantôme allait jaillir de nulle part. Le médium qui a peur des fantômes, plutôt ironique, non? Et puis le fantôme, ce serait pas Dahlia. Tu peux me promettre n'importe quoi, je ne repasse pas sur ce pont. Oh, t'inquiète, panique. Personne ne te promet quoi que ce soit. Parce qu'une personne sensée n'appellerait ce tas d'allumettes un pont. Ne se résume plus qu'à quelques planches de bois et 2 bouts de ficelle. Si on veut revenir, on n'a pas le choix, il faut qu'on traverse de nouveau, tu sais. Je vais peut-être rester. J'ai toujours rêvé d'habiter une cabane au fond des bois. Ah, t'as vraiment peur, toi, hein? Eh ouais. Wouah, vise un peu ces statues de pierre. J'en mènerais bien une avec moi, tu sais. Ma manette a vibré. Il y a un support manette dans le jeu. Maya! Ok, il y a un support manette. Dans le doute, j'ai débranché la manette. Mais il y en a tellement, je suis sûr que personne ne s'en rendrait compte. Et tu te fiches de moi, bien sûr qu'ils s'en rendraient compte. Et puis d'abord, qu'est-ce que tu ferais de ça? Ben, je la mettrais au bureau, bien sûr. On pourrait même mettre une statue à la place de la statue de bois à l'entrée. C'est assez confort à la manette. Oui, dans le gameplay n'est pas incroyable, que ce soit à la manette ou au clavier. Ah oui. À la manette. Ou au clavier, oui. Je suis fatigué. Tiens, maintenant que j'y pense, je me demande d'où sort cette statue de bois. On dirait que ce pont est suspendu par 4 de ses câbles. sont vraiment fins. Est-ce qu'ils ne devraient pas être un peu plus épais? Mais arrête, t'es vraiment un gros peureux, Nick. Si ce pont devait vraiment s'écrouler, les planches casseraient bien avant ces câbles. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'es en train de virer au vert, là? Ouais. Il y a un robot géant enterré dans la neige. Il y a bien quelque chose dans la neige, certes, mais c'est juste un incinérateur. Ah, vous qui ressemblez vraiment à un robot. Ouais, un peu. Je crois pas qu'il y serve très souvent, il a l'air plutôt rouillé. Et Nick, tu crois que ce robot cinérateur géant s'est marché? Je te l'ai dit, ce n'est pas un robot. Il n'est pas si grand que ça en plus. T'as aucune imagination, tu devais te battre pour pouvoir progresser. Quoi? Un combat entre un avocat et un faux délabré? Qui paierait pour voir ça? Cui, ouais, on a compris. Hé, une porte à moitié ouverte. C'est pratiquement une invitation. Ouais, si on nommait la pancarte entrée interdite. Oh, Nick. Les règles, c'est fait pour être transgressé, tu sais. En tant qu'avocat, tu t'attends vraiment à ce que je sois d'accord avec ça? Oh, le, t'es vraiment une vieille chouchotte parfois, détends-toi. Quand Sœur Bikini t'aura jeté un sort, tu viendras pas te plaindre. Oh, bravo, maintenant tu m'as filé la trouille. Allez, on oublie, ok? Ah, Nick. Sympathique comme toujours. On dirait qu'il y a quelque chose écrit là-dessus. Je n'arrive pas à lire, mais si je devais deviner, je dirais Temple Intérieur. À quoi sert une pancarte si on ne peut pas lire ce qui est écrit dessus? Le facteur doit avoir un travail difficile dans le coin. L'état de la pancarte donne une idée de la date de construction de cet endroit. Certes. Alors qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, le portail. Alors voilà le temple intérieur. Hein. Il n'a pas l'air en très bon état. Si c'était tout rutilant, ça ne ressemblerait pas autant à un temple. Alors c'est ici que tu vas t'entraîner ce soir. Ouais. Et ensuite, tout le monde pourra admirer mes pouvoirs spirituels. On dirait que ton estomac préférerait montrer ses pouvoirs de digestion. Oh, je me demande si le repas est prêt maintenant. Ah ok, donc on va pas pouvoir passer. Alors que la dame attend juste derrière. Bah si, bah, regarde là. Entrée interdite, mais c'est ouvert. Là, on peut passer. Ben oui, on peut passer. Ah, ok, une prison carrément. 7 février, temple intérieur, salle d'entraînement. Bon sang, jette un œil à cet endroit. On dirait une minuscule chambre froide. C'est là que vous allez vous entraîner toutes les deux? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire, toutes les deux? Je vais être toute seule? Vraiment? Je croyais. Pearl n'est encore qu'une petite fille, elle pourrait pas gérer une telle intensité. Très fort venant d'une fille qui sait à peine parler, tant qu'elle claque des dents. Pardon. Mais bon, la vraie salle d'entraînement doit être derrière cette porte-là. Ouais, je sens quelque chose qui vient de là, ça ne fait pas de doute. Sûrement que la caverne en question dégage des ondes surnaturelles. Huh. Pardonnez-moi, mais... Qui êtes-vous? Oh, vous êtes... Coucou! On jette juste un œil, hein, parce qu'on va passer la nuit ici. Quelque chose ne va pas? Non, ce n'est rien. Je me demande ce qui lui a pris. Pas toi, Nick? Tu as dit quelque chose, Maya? À toi, Nick. Je m'appelle Iris. Je suis l'une des sœurs de ce temple. Moi, c'est Maya Fey. Ravi de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi. Oh, veuillez m'excuser, j'ai des tâches qui m'attendent. Oh, Nick, t'as même pas pu lui dire un mot, quoi. Ah, elle est vraiment très belle. Un peu distante, peut-être. Peut-être qu'elle n'est pas habituée à parler avec des êtres sophistiqués comme nous. Nick? Cette fille... C'est impossible, mais... La zone d'entraînement doit être derrière. Je me demande à quoi elle ressemble. Oh, flûte, se fermer. Allez, Nick. Je suis sûr que tu meurs d'envie de l'ouvrir pour moi. Je ne peux pas. Dis donc, t'es plutôt de mauvais poil en ce moment, toi, non? Zvari, moi je sais ce que c'est. IRIS. Nick est amoureux, Nick est amoureux. Ok, aucune réponse en plus. Yet. Il y a un parchemin pendu au mur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as crié comme ça? C'est ce parchemin? C'est ma mère? Quoi? Et elle ressemble étrangement à la dame qu'on a vue avant, non? C'est Misty Fey, la maîtresse de l'école de Channing Kurain. T'en es sûr? Oui. Tu vois ces armoiries en haut du parchemin? C'est la marque spécifique de la maîtresse de notre tradition. Alors ça veut dire ça... Qu'y a-t-il? Oh, rien. Tout simplement, je l'ai pas vu depuis 15 ans. Comment elle le reconnaît? Attends, elle a 19 ans, non? Quel âge? Elle a 19 ans. Attends, à 4 ans, tu te rappelles pas de la gueule de ta mère, quand même. Si je n'avais pas vu ces armoiries, j'aurais pas... Ah, d'accord. Le jeu a pensé à tout. Si je n'avais pas vu ces armoiries, je n'aurais pas su que c'était elle. Ma propre mère. Je ne la reconnais même pas. À croire que le jeu était fait sur mesure pour que je réacte en direct dessus. Oh, Maya. Parchemin suspendu, avec Misty Fey, maîtresse de la technique Kurain. Bon, enfin, maintenant que t'as la gueule, tu peux reconnaître que c'est la dame que vous avez vue avant, non? C'est un parchemin représentant la mère de Maya, Misty Fey. Il n'est pas très vieux. Les armoiries en haut, c'est l'emblème de la maîtresse. Je me demande si ce temple a un lien quelconque avec la famille Fey. Je crois que oui, tu sais. On dit qu'il a été fondé par un membre de la famille de l'école Kurain. Il faudrait que je demande des détails à Bikini dès que j'en aurai l'occasion. Sur Maya et sur la famille Fey en général. Regarde cette commande antique, je me demande ce qu'il y a dedans. Voyons voir. Oh, rien que des fringues. Hé, Nick! Ah, désolé, j'étais perdu dans mes pensées. Enfin, c'est un dessin, pas une photo, elle va pas reconnaître sa mère sur la base de ce truc. Oui, mais enfin, de toute façon, reconnaître visuellement le visage d'un parent, alors que tu l'as plus vu depuis 15 ans, et en plus, t'avais juste 4 ans à ce moment-là, c'est possible. Sauf si tu arrives à retrouver des détails, par exemple le même nez, le même yeux, un truc comme ça, quoi. Ah, je parie que tu pensais à Iris. Tu as attrapé la maladie d'amour, toi, on dirait. Bien sûr, aucun commentaire. Il y a un tas de couvertures moisies et aussi du linge de lit empilé par ici. Je me demande ce qu'ils font ici. C'est parce qu'on travaille toujours sous la supervision d'une nonne. Je me demande si Sœur Bikini a l'intention de dormir ici pendant que je travaille. Donc superviser signifie dormir pour elle. Soit. Bon, on a tout vu. Il est temps de se casser. « 7 février, Pont du Néant. » On a réussi à traverser le Pont du Néant, finalement. Oh, Nick, t'es tout vert. Tu te sens bien? Mais qu'est-ce qui va pas? Depuis qu'on a vu Sœur Iris dans le cercle de notre entraînement, tu n'as pas dit un mot. Hein? Oh, désolé. Oh là-bas, attendez! Tu crois que c'est à nous qui s'adresse? Sans doute, il n'y a personne d'autre par ici. Pour y pousser, j'ai besoin de passer. Oh, bordel de merde. Oh! Eh, mais je vous connais, vous! Vous êtes... Oh pardon, je dois y aller. Salut! Eh, mais une petite minute! Oh, enchanté. Je m'appelle Laurence Donim. Encore? Menteur, t'as beau avoir des nouveaux vêtements, tu restes Paul Defès. Oh, ça va que je passe si fort. Je m'appelle... Laurence. Je suis venu faire une esquisse du Pont du Néant. Donc c'est donc Paul. Pourquoi est-ce qu'il se fait passer pour quelqu'un d'autre? Pourquoi lui il est là aussi? Qu'est-ce qu'il prend de faire appeler Donim? Ben j'ai... Je voulais repartir de zéro, tout réécrire à partir d'une feuille vierge. Une feuille vierge? Vous vous souvenez de la dernière fois? Ah, c'était ça la dernière fois, je m'en souvenais plus. L'affaire masque étoile de masque. Après ça, j'ai commencé à détester cette personne appelée Paul Defès. Et là, je suis tombé sur ce truc, le livre du destin. Le livre du destin? Vous voulez dire... La bouteille magique de mademoiselle Élise de Nîmes. C'est tellement beau. Tellement émouvant, tellement doux. Je me suis senti purifié. Sauvé, quoi. Je devais peut-être me procurer un exemplaire de bouteille... Pardon, je devrais peut-être me procurer un exemplaire de la bouteille magique. Et tu sais ce qui ferait un excellent vendeur? D'accord. Tu sais qui ferait un excellent vendeur, Paul? J'ai hâte de lire, moi, ce livre. C'est la personne la plus merveilleuse que j'ai jamais rencontrée. Je la suivrai au bout du monde. En tout cas, elle est drôlement élégante. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Tiens, voilà une photo d'elle, prise à son insu. Oh, quelle belle photo! Prise à son insu, mais elle regarde quand même la caméra. Si vous voulez une copie, ne vous inquiétez pas, j'en ai fait plus. Non mais ça va pas, ça. Et en plus on l'accepte. Photo d'Élise prise par son propre élève, Laurence Donim. Quand même, c'est difficile de t'imaginer en illustrateur de livre. Crache le morceau, t'as d'autres motivations, c'est ça? De quoi tu parles? Je ne me fie plus à personne, surtout pas aux femmes. C'est le bestel. Si c'est pas quelqu'un qui refuse de voir les choses en face... Et dis-moi, est-ce que tu dessines assez bien pour être publié au moins? Ah là, on ne se bande pas à la maîtrise technique, il faut aussi avoir le cœur pur. Eh oui, Bastel, t'arrives au meilleur moment, probablement. C'est bien pour ça que je te pose la question, est-ce que tu sais dessiner? C'est vrai ça, maintenant que tu le dis? Je me demande. On dirait que vous doutez encore un peu au fond de vous. Ah, c'est vrai, oui. Mais la première fois que je l'ai vu, j'ai senti que quelque chose finissait et que quelque chose d'autre commençait en moi. Oh, Paul, on dirait bien que vous êtes tombé amoureux de mademoiselle Alice de Nîmes. Oh, Maya, si tu savais que c'était ta mère. Mais non, pas elle. Pas elle, c'est l'autre fille. L'autre fille? Oh, oh. J'ai soudain comme un mauvais pressentiment. Oh oui, elle! Oh, ma petite Iris! Oh, elle est très mignonne. Cette fille, elle est parfaite, c'est exactement mon type. Elle accepterait peut-être de poser pour moi. Je voudrais faire son portrait. Oh oui, les mannequins, c'est bien votre type, n'est-ce pas, Paul? Voilà, une petite minute, je croyais que vous étiez dégoûté des femmes. Hein? Oui, c'est un fait. Croix de bois. C'est vrai, en gros, mais... Mais Iris, c'est autre chose. Elle me donne l'impression que tout n'est pas... encore tout à fait perdu. Ce type ne changera jamais. Et tout le monde? Ah, Perly! Le repas est prêt maintenant. Veuillez vous rendre rapidement au grand hall, à la bouffe. Oh, génial! J'ai hâte de mettre quelque chose sous la dent, Perly. Je vais aller au temple intérieur chercher Sœur Iris. J'aimerais bien voir où Mystique Maya va s'entraîner. Ah, et vous allez laisser une gosse à côté de quelqu'un qui a déjà tué, quoi. Ok. 7 février, 19h46, temple Hazakura, grand hall. Je je vais éclater. Tu crois que c'est raisonnable de manger autant juste avant ton entraînement? Ce type d'entraînement est avant tout une question d'endurance. Mystique Maya, tu me promets de rien faire qui mettrait ta santé en danger. Mais qui ne risque rien à rien, non? Ça ne m'empêchera pas de me faire du souci. Bon, ce n'est pas le moment de nous habitoyer, tu dois te préparer. Bonne chance, Maya. Allez, c'est parti. Alors à demain, hein. Iris, à 22 h, fait sonner la cloche pour l'extinction des feux, d'accord? On est où, là? Dans un camp? Non mais oh, on a le droit de dormir quand on veut. N'importe quoi, ça. Oui, sœur Bikini. Ensuite, après avoir sonné la cloche, tu nous rejoindras à la salle d'entraînement. Compris, sœur Bikini. Maya et Bikini ont vraiment hâte d'être à l'entraînement de ce soir. Et toi, Pearl, que vas-tu faire ce soir? Eh ben, tu peux venir dans ma chambre si tu veux. Sans commentaire. Ah, ok. On pourrait lire des livres. Enfin, vraiment? Oh, avec grand plaisir. Mais je suis pas très forte en lecture. Alors viens, je t'apprendrai. Oh oui alors. Oh oui, j'ai le 911 qui est prêt. Pearl est en admiration devant Mademoiselle Donim. Alors Paul, qu'est-ce que tu comptes faire? Hein, moi? Je vais rester dans ma piole. Je supporte pas le froid. Je suis tout cœur avec toi, mon vieux. Oui, c'est le 112 en France. J'allais lire. Dites, comment ça se lit, ça? Ça, c'est disparaître. Ce n'est pas un mot facile. Ah, d'accord. Et ce mot-là? Oh, encore un peu facile. C'est le verbe rôtir. Je me demande quel genre de livre elle est en train de lire. Je croyais qu'il fallait aller dans leur chambre là, pour ça. Bon. Bon, je vais faire la vaisselle et aider à ranger un peu. Et je passerai vous voir quand j'aurai terminé, mademoiselle Élise. Eh ben, je n'ai plus qu'à aller dans ma chambre et à me blottir sous la couette. Oh, attends, il est que 21 h, on va pas dormir cette heure-ci, quoi. 7 février, 21 h 12, Temple Hazakura, Grand Hall. Oh, le froid des montagnes est vraiment insoutenable. Ça aurait été bien que les toilettes soient un peu plus près de ma chambre. Monsieur Wright? Oh, mademoiselle Donim, vous allez aux toilettes vous aussi? Non, mais... Vous avez vu Pearl? Non, pas depuis que nous avons fini de dîner. Je croyais qu'elle allait vous rejoindre dans votre chambre. Oui, mais elle n'est pas venue. Je vais aller la chercher, excusez-moi. Elle est Alice de Nîmes, une femme mystérieuse, d'origine comme de nom. Mais le vrai mystère, c'est... Oh, oh, sœur Iris? Bonsoir. Le vrai mystère, c'est cette fille. Comme par hasard, la personne au penchant non naturel envers les enfants signale la disparition de sa proie. Ouais. Est-ce que vous alliez aux toilettes vous aussi, monsieur Wright? Comment elle me... Eh, on n'a pas échangé les noms, hein. Je ne peux pas laisser passer cette chance. Je dois essayer de lui parler et de lui arracher peut-être quelques réponses. Mais... Ah, ok. Vous êtes sœur Iris, n'est-ce pas? Oui. Alors, quand êtes-vous arrivé au temple Hazakura? Je ne m'en souviens pas. Depuis toute petite, j'ai toujours vécu ici. Vous voulez dire que vous ne l'avez jamais quitté? Eh bien, comme je n'ai plus de famille, personne n'aura pu s'occuper de moi. Sœur Bikini, je la considère comme ma mère maintenant. Ah, je vois. Mais vous n'êtes jamais allé à l'université? À l'université Henri Beaucoup pour étudier la littérature, par exemple? Non. J'ai jamais été attiré par les grandes universités de ce genre. Mon travail ici est la seule éducation dont j'ai besoin. Je vois. Mais de temps en temps, je fais un petit tour dans la ville voisine quand je peux. Et je sais me servir d'un ordinateur et d'un téléphone portable. Ce n'est pas une ermite. Non, c'est pas ça le mot que je cherche. C'est en Amérique, t'as plein de gens qui vivent déconnectés totalement de tout ce qui est électricité et compagnie. J'ai oublié leur nom. Et c'est ça que j'avais en tête. D'où le fait de devoir préciser que je connais quand même les rudiments de la technologie. Les Amish, je crois que c'est. Bref. Il n'y a pas exactement de quoi s'en vanter. Je ne vois aucun verrou psyché. Donc j'imagine qu'elle ne ment pas. Je vous en prie, arrêtez de me fixer comme ça. À quoi sert cet endroit au juste? J'ai entendu dire qu'on s'y entraîne pour stimuler ses pouvoirs spirituels. Je suppose que pour des gens normaux comme vous, on doit vous sembler bizarre. Mais je dois reconnaître que ces montagnes abritent un monde à part. Je suis contente de vous l'entendre dire. Hein? Parler avec les morts, après tout, à quoi ça sert? J'ai horreur de ça. Vraiment? Alors pourquoi reste-t-elle dans un lieu pareil? Oh! Comment ça? Oh! C'est quelque chose qui ne va pas? Je n'ai pas vu qu'il était si tard, il faut que j'aille sonner la cloche. Ouais, 21h12 là, ou 42. Je pense qu'il est presque 22h là, quand même. Monsieur Wright? Oui? Si cela ne vous dérange pas, je voudrais vous donner ceci. Mais c'est votre voile! Il vous protégera des mauvais esprits. En fait, Sœur Bikini en portait un aussi. La nuit est sombre et froide, et pas du tout pleine de terreur. Je m'en vais prier pour votre protection. Voile d'Iris, voile magique dont on dit qu'il éloigne des mauvais esprits. Sinon, c'est elle qui va se faire sonner les cloches. LOL! Je suis désolé, mais je dois vous souhaiter bonne nuit. Un jour, les jeunes femmes de Phoenix Wright ne sont pas des waifus en puissance. Là, c'est clair qu'ils ont mis la totale. Le petit tête vers le bas avec le rouge aux pommettes. En regardant justement Phoenix, tu sens le... Jusqu'à avoir une tachycardie. Attendez une seconde, sœur Iris. Oui? À l'instant, vous m'avez appelé par mon nom. Vous avez dit... Monsieur Wright. Là, j'ai l'impression d'être professeur Layton maintenant. Comment savez-vous que je m'appelle Monsieur Wright? Je ne crois pas me présenter. C'est... Sœur Iris, je vous en prie. Dites-moi la vérité. C'est pas comme si c'était son ex. Vous et moi, est-ce que nous nous sommes déjà rencontrés? Ah ha! Je te tiens! Ok, peut-être pas tout de suite, mais... Iris... Oh, il est presque 22h. Peut-être pourrions-nous en reparler... demain. Et tu la laisses partir, bah bravo! Ah bah oui, bah 5 verrous, là, je sais que j'ai sûrement pas les preuves pour... glong glong glong. Mollusque. Il en faut un pour en connaître un, comme on dit, Bastal. Alors mon intuition était fondée, elle sait qui je suis. Il faudrait que je réessaie de lui parler demain. 7 petits points, ou 9, et 6 petits points. 3 petits points. Ah! Qu'est-ce que... Ce cri terrifiant venait de la cour. 7 février, 23h06, temple Hazakura, cour... Oh non, pas Madame Bikini quand même. Ce cri, je suis sûr qu'il venait de quelque part par ici. Oh, il y a quelqu'un à terre. Oh non, c'est pas la mère quand même. Pas la mère Michel. Mademoiselle Donim. Squish. Oh bah non, mon dîner. Je viens de marcher sur quelque chose de mou. Hé, hey, je te prierai de ne pas me marcher sur le ventre, merci. Que faites-vous allongé dans la neige? Je me suis évanoui, qu'est-ce que tu crois que je faisais? Ce cri effroyable, c'était vous? Oublie ça et appelez vite la police. Il tient un téléphone dans le grand hall? Non, mais il y a une bonne réception dans les montagnes. T'as bien un téléphone portable sur toi, non? Je n'ai pas son... Ah, t'es vraiment inutile, toi! C'est vrai, même Iris, on possède un portable. On n'a pas le choix, tu dois appeler le téléphone du Pont du Néant. Dépêche-toi, dépêche-toi! Vas-y, plus vite possible! Wyndham, tu te dépêches pas, Iris va... Iris va... C'est pas Iris qui est au sol. Les jeunes ont ce genre de choses sur... Bah oui, Félix, il n'y a pas de téléphone, quoi, on est où? 7 février, 23h18, Pont du Néant. Iris va manger le corps si tu t'empêches pas. Ah, oh, c'est loin, bon sang. Oh, le pont est droit devant. Je vais informer Maya de ce qui s'est passé. Oh, le Pont du Néant. Il est en feu. Mais que diable s'est-il passé? Qu'est-ce que tu fous là? Oh non mais qu'est-ce qui te prend? C'est moi qui te fais cet effet? Il fait jamais plus peur comme ça, Paul, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Mais je m'appelle pas Paul, je m'appelle Laurence. Paul, grouille-toi d'appeler la police. Je vais aller au temple intérieur. Mais sois pas stupide, le pont n'est pas en état d'être utilisé. Écoute-moi, un meurtre a été commis, ici, au temple Hazakura. Quoi? Le meurtrier a dû s'enfuir par le pont. Je dois m'assurer que Maya est en sécurité. Mais... Je t'en prie, Paul, appelle la police. Je dois y aller. Ôte-toi de mon chemin. C'est trop risqué, Nick, attends. Balek. Je devais être possédé. Je savais que c'était dangereux, mais j'y suis allé quand même. Oh, Nick. Fragilisé par l'incendie, les planches du vieux pont cédaient sous mes pas. Et alors que je sombrais dans les profondeurs des ténèbres, un dernier cri a brisé le silence de cette horrible nuit. À suivre. Selon K4, il existe 30 meilleures affaires dans tout et cet ordi. Et voilà, c'est fini. On peut se barrer. C'était cool. En même temps, traverser un pont en feu. Pas très malin. Date, heure, lieu, Qui ça peut être à cette heure-ci? Oui, Hunter à l'appareil. Benji, debout, il y a urgence. Hein? Paul? Je sais quelle heure il est. C'est pas Paul, c'est Laurence! Laurence Donim! Je vais être en train de faire un mauvais rêve. Mais attends, raccroche pas, il y a urgence, je te dis! C'est Nick! Il est tombé! Eh ben, ce sera pas la première fois alors. Mais je rigole pas, il est entre la vie et la mort! Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je parle d'une poisse, si ça se trouve, il est déjà mort! Bref, il faut revenir, t'es le seul pour nous aider! Mon Iris, ma belle Iris, elle a besoin de nous. D'accord, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'arrive dès que possible. Je suis au centre de détention. Mec, toi, Ça fait un an que j'ai quitté le pays. Je ne pensais pas qu'on se reverrait avant un bon moment. Les retrouvailles ne seront pas très joyeuses, mais ça, j'ai l'habitude. Et c'est pour ça que l'affaire est incroyable, on étudie le meurtre de Phoenix. Et on joue Phoenix qui s'est fait spirit channeling par Maya. Oui, on joue... Oui, bien sûr, Phoenix est mort, c'est pour ça qu'il apparaît sous forme de fantôme dans Phoenix Wright et Professeur Layton, le crossover. 8 février, 14h19, sans détention parloir. D'où Paul Laurence à contact de Benjamin. T'as mis du temps, Benji, t'es tombé en panne? Ne commence pas, j'ai loué un jet privé. Les riches, quoi. J'ai fait aussi vite que possible. Ah, fallait en prendre un plus rapide. Bref, écoute bien. Il est arrivé une tuile à mademoiselle Élise. Et Nick et Maya, Iris et Bikini... Hein? Mais dis quelque chose, Benji! Avant de venir ici, je me suis arrêté à l'hôpital où Wright est soigné. Pour le moment, je crois y voir plus clair que toi sur la situation. La victime est l'auteur de livres pour enfants, mademoiselle Élise de... Oh non, oh, la pauvre Maya. Aïe 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 aïe. Tu retrouvais ta mère et t'avais pas le temps de la reconnaître qu'elle est déjà morte. Wright et le maire supérieur ont découvert le corps, les suspects et la jeune nonne. Clairement un univers fictif. Ah bah oui, ça se passe à Londres à tous les coups, donc c'est très fictif. Plus tard, alors que Wright traversait le pont incendé, il est tombé dans la rivière. Les médecins estiment qu'il devrait passer au moins 2 jours à l'hôpital pour récupérer. J'espère que Maya a eu le temps d'avoir une dédicace. Mais bien sûr que c'était vraiment sa mère qui ça pourrait être, sinon... Elles ont les mêmes boules. Là, hein, j'entends le collier. Ouais, c'est ça, t'es au parfum. Mais elle a été arrêtée. Ma belle, ma douce Iris. Moi qui croyais que c'était lui, je suspecte que la police avait arrêté. Toutefois, je ne vois toujours pas l'utilité de ces 2 objets. De quoi tu parles? Wright m'a donné ces 2 choses avant que je ne quitte sa chambre. Voici le premier. Il m'a dit que ça m'aiderait à voir dans le cœur des gens. Voir Discord pour le fric des procureurs. Ok, c'est apparemment Edgeworth, Benjamin Hunter dans une voiture. J'imagine qu'il écoute de la musique. Quant à l'autre, il n'est tout de même pas en train de me demander de... Je t'en supplie, à genoux, le procéduriste commence demain. Nick est à chasse et j'ai plus que toi, t'es mon seul espoir. Toi seul peux la représenter. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Bah oui, la représenter, prendre sa défense. À quoi tu t'attends? Tu croyais que je t'avais appelé pour faire la conversation? Je suis procureur, Paul. Procureur. Comprends-tu ce que je dis? Un procureur est un avocat qui... Ça ne parle pas comme je suis un mioche. J'ai diplôme quand même. Mais t'inquiète pas, je le dirai à personne. Mais je... Il paraît qu'un simple badge en carton suffit à duper le tribunal alors. Comment le système judiciaire de ce pays a-t-il pu sombrer aussi bas? Oh, s'il te plaît Benji, écoute-la au moins, écoute sa version des faits. Wright ne plaisantait pas lorsqu'il m'a donné son badge d'avocat. Merci d'être venu. Je m'appelle Iris. Hunter, Benjamin Hunter. Je ne sais pas si je peux vous être d'une grande utilité, mais... Je vais au moins écouter ce que vous avez à dire. À propos du meurtre. Monsieur Wright, comment va-t-il? Monsieur Laurence m'a dit que... qu'il risque de mourir. Heureusement, il s'en sortira. Paul, comment tu peux dire une chose pareille? Il a pas mal de bleu pour avoir heurté l'autre plein fouet, hein. Par ça, il va bien. Ah, ça me rassure. Mais il a attrapé une mauvaise grippe. Une grippe? Il a beaucoup de fièvre et son état est particulièrement instable. Je ne sais pas si je me fais des idées, mais... Cette femme, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Excusez-moi, Iris, si vous le permettez, j'aimerais vous demander quelque chose. J'ai la nette impression que vous et moi, nous sommes déjà rencontrés auparavant. Vous avez dû rêver, monsieur Hunter. Après tout, je n'ai jamais quitté le temple Hazakura. Le temple Hazakura, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où les gens viennent pour développer leur pouvoir spirituel. Il faut travailler très dur afin de libérer son pouvoir spirituel intrinsèque. Son pouvoir spirituel? C'est pour ça que vous êtes allé vivre là-bas? Non, moi je n'ai aucun pouvoir spirituel. Je n'en ai pas besoin. Dans ce cas, que faites-vous au temple alors? J'ai commis des péchés. J'ai besoin de les expier. C'est pour ça que je suis là-bas et que je m'entraîne pour purifier mon âme. Parlez-moi de la nuit dernière, la nuit du crime. D'accord. Après le dîner, j'ai rangé, puis je suis retourné dans ma chambre vers 20 h. Ensuite, vers 22 h, je suis sorti de ma chambre pour lui sonner la cloche. La cloche? On la sonne tous les soirs à la même heure. Pourquoi? On ne sait rien. Je vois. Et ensuite? Et ensuite, on m'a dit d'aller à la salle d'entraînement, mais je suis retourné dans ma chambre et j'y suis resté. Pourquoi n'êtes-vous pas allé à la salle d'entraînement comme vous l'a demandé? J'avais peur. Peur? Alors je suis resté dans ma chambre pour méditer jusqu'au moment du meurtre. Tiens. Je ne me dis pas tout, je le sens. J'aurais peut-être creusé encore un peu. On vous a demandé d'aller à la salle d'entraînement la nuit du crime? Oui. Néanmoins, vous n'y êtes pas allé. Et vous dites que c'est parce que vous aviez peur. Peur de quoi, au juste? Que se passe-t-il? Quelque chose ne va pas? Désolé, ce n'est rien. Qu'elle n'est pas consciente de leur présence. C'est sûrement ça, de ça que parlait Wright, ce sont les verrous psychos. Je crois qu'il a dit que je devais présenter ce Magatama pour faire quelque chose. Avez-vous la moindre idée de ce qui s'est passé la nuit dernière? D'après moi, tout ceci est le résultat de l'incroyable pouvoir spirituel libéré. Pouvoir spirituel? Oui, l'entraînement spirituel est à l'origine de nombreuses grandes tragédies. Cet incident n'en est qu'un exemple parmi tant d'autres. Désolé Iris, mais je ne souscris pas à cette hypothèse. Je suis un grand sceptique et je ne crois pas au pouvoir spirituel. Oui, je comprends. Beaucoup de gens sont comme vous. Et je suis sûr que la victime a été tuée par quelque chose de bien humain. Aussi, je vous prie de répondre à cette simple question. Est-ce vous qui avez assassiné Alice de Nîmes? Non. Je ne suis pas celle qui a tué cette personne. Et là, aucun verrou psycho. Autrement dit, je peux en conclure qu'elle dit la vérité. Qu'est-ce qui va pas? Je m'étonne moi-même de ce que je pense. Moi qui viens d'affirmer ne pas croire au pouvoir spirituel. On dirait que c'est tout ce que vous pouvez me raconter. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Je suis allé voir Wright à l'hôpital avant de venir ici. Il m'a demandé de veiller sur vous. Sur moi? Oui, au procès de demain, il m'a demandé de vous défendre. Si M. Wright a tellement confiance en vous, Monsieur Hunter, alors je ne peux que m'en remettre à vous pour me sauver. Mais avant ça, j'aurais une question à vous poser. Oui. Vous connaissez Wright? Pourquoi une telle question? Chaque fois que votre nom revenait dans la conversation, il avait l'air bizarre. Monsieur Hunter, êtes-vous son ami? Son ami, eh bien, en un sens, oui. Ça fait 5 ans que je l'ai trahi. Vous l'avez trahi? Il m'a dit qu'il avait très mal accusé le coup. Je me connais, je suis un être faible. C'est pour ça que j'ai pensé qu'il valait mieux pour lui ne jamais me revoir. Je voulais juste qu'il oublie tout de moi sans apprendre la vérité. Eh bien, si vous voulez mon avis, Wright souffre encore. Et jusqu'à ce qu'il sache la vérité, je ne crois pas qu'il pense en remettre vraiment. Iris, il n'est pas trop tard. Vous devriez aller le voir, lui dire la vérité. Je vous défendrai, mais à cette condition uniquement. Ah, Benjamin, le vrai bro. Bien, monsieur Hunter. Je vous promets. Très bien, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous faire acquitter. Et je vais même pas montrer le Magatama, là. Oh. J'ai réuni assez d'infos pour le moment, je ferais mieux d'aller sur le lieu du crime. Ah bah si, on peut lui montrer le Magatama. Bon, ça va pas faire grand-chose à mon avis, mais bon. Le monde serait merveilleux si tous les amis étaient comme Edgeworth. Ouais. J'ai été chargé de l'affaire, c'est à moi de trouver des réponses, vous comprenez? Oui, monsieur. La plus petite flamme peut parfois révéler une affaire sous un jour nouveau. Je ne compte plus le nombre de fois où cela s'est produit, sous mes yeux, au tribunal. C'est pourquoi je continuerai de chercher jusqu'à ce que je découvre toute la vérité. Pour la dernière fois, êtes-vous sûr de ne pas être allé au temple hier soir? Oui, je vous le jure, je vous l'ai déjà dit. Oui, vous avez dit de ne pas y être allé parce que vous aviez peur. C'est exact. Si vous dites la vérité, la question qui s'impose est de quoi aviez-vous si peur? Iris, je me disais, c'est ça qui vous effrayait au point de rester dans votre chambre? Enfin. J'en sais rien. Allez, on y va plus tard. « 8 février, Pont du Néant. » Pour faire froid, il fait froid. Hein. C'est donc ça, le Pont du Néant. Monsieur Hunter. Bon, monsieur Hunter. Ah, active. Bon, ça fait un bail, dites donc. Au moins un an, ou peut-être même plus. Ah, peu importe, Active. Qu'est-ce qui vous amène ici? Oh, ouais, direct dans la mâchoire. Enfin, moi, je suis content de vous voir, monsieur Hunter. Laissez-moi deviner, on vous a transféré dans une autre division. Choix judicieux, il n'y a rien ici. Vous n'allez pas crouler sous le boulot. On m'a dit vous étiez revenu et je me suis arrangé pour vous rejoindre. Tout le monde a été sympa, on m'a même laissé la direction de l'enquête, monsieur. Quel pot de colle, et monsieur la trace à chacune de mes enquêtes. Je suis supposé faire un rapport sur la scène du crime, monsieur. Et me voilà, inspecteur détective au rapport. Super. Merci, détective. Je pensais que le procureur Godot serait là avant moi. Ce type est un vrai mystère, je vous le dis. Le procureur Godot? Je reviens de l'étranger, alors je ne sais pas ce qu'on a d'affaire. C'est très simple. Si vous le dites, ça doit vraiment l'être. Oh, si vous saviez combien j'ai hâte de retrouver vos sarcasmes. J'avais hâte de retrouver vos sarcasmes décapants, monsieur. Mais vraiment, cette affaire est limpide. Un témoin a tout vu. Un témoin? Oui, cette femme, Bikini. Une femme... Une femme au nom de... En bikini, ici, dans les montagnes? Si vous voulez en savoir plus, il faudra lui parler vous-même. Je devrais peut-être parler à cette femme en bikini. Je veux dire au témoin. C'est donc le pont que Wright a essayé de traverser? Oui. Je crois pas que j'aurais pu être aussi téméraire. Mon style à moi, c'est regarder avant de traverser. Pas regarder avant de sauter. Et y a-t-il quelque chose de l'autre côté? Oui, une sorte de vieux bâtiment qu'on appelle le Temple Intérieur. On peut patienter sans pont, monsieur. Quoi? Personne vit là-bas, alors ça ne posait vraiment aucun problème. Mais hier soir, quelqu'un s'est entraîné, et maintenant, ce quelqu'un est coincé là-bas. Oui, Wright me l'a dit, c'est Maya Fey. Oh non, encore elle. De toute façon, le temps est trop pourri pour tenter un sauvetage aérien. Personne n'accédera au temple intérieur avant demain, monsieur. Elle va passer plus d'une journée sans bouffer, la pauvre. J'espère qu'elle va bien, il fait tellement froid. Comment le pont a-t-il brûlé, au fait? On est sûr à 100% qu'il s'agissait de la foudre. La foudre? Alors, c'est qui ce procureur Godot? C'est la première fois que j'en entends parler. Ouais, c'est un nouveau. Il est apparu juste après votre départ. C'est un bleu, mais personne ne trouve rien à redire le concernant. Quel genre d'homme est-il? Il n'est devenu procureur que récemment, mais il est doué, monsieur. Vraiment doué. S'il est si doué, comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de lui? Vous croyez qu'il est chargé de notre affaire? Je veux, oui. Après tout, qui vous savez est impliqué, alors. Qui vous savez? Phoenix Wright, bien sûr. Pour une mystérieuse raison, Godot semble avoir une dent contre Monsieur Wright. Oh. Ouais, on dirait qu'il lui en veut. Qu'a-t-il fait pour susciter tant de haine? Ah, je sais pas. Peut-être qu'il s'est moqué de son masque ou quelque chose comme ça. Tout ça n'a aucun sens, je ferais mieux de m'enseigner un peu sur ce Godot. Vous voulez dire que le pont a pris feu après avoir été touché par la foudre? Oui, hier soir il a neigé pour la première fois depuis 3 jours. C'est rare que la foudre frappe pendant une telle chute de neige. Mais d'après la météo, la foudre a vraiment frappé. Bulletin météo régional de la nuit du crime. Je vois, c'est un bulletin météo très détaillé. Presque trop détaillé. Il y a même l'heure exacte à laquelle l'éclair a frappé le pont. Ah ça, on a trouvé cette information dans la déposition de témoins. Quelqu'un a vu la foudre frapper le pont? Qui est ce témoin? Désolé, j'irai demander à la police locale un peu plus tard, monsieur. Pas très utile, hein, monsieur Tective, alors que vous êtes chargé de l'affaire. En général, j'entends parler des procureurs de génie quand ils sont encore à l'école. Je n'ai jamais vu ni entendu parler de cette personne. Je dois l'avouer, il est du genre surprenant. Un jour, il est apparu avec une tasse de café fumant à la main. C'est visiblement un personnage haut en couleur. Ouais, depuis, tout le bureau du procureur s'est mis au double expresso macchiato. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette fille quelque part. Elle n'était pas dans l'une de mes précédentes affaires? Non, c'est pas possible. On a fait des recherches avec ses empreintes et on n'a rien trouvé dans les archives. Le mystère s'épaissit. Je vois. Je n'arrive pas à chasser cette curieuse impression. Ah, vous avez aussi pas mal de succès auprès des dames, monsieur. Peut-être que c'est une ex que vous avez larguée quand vous étiez jeune. Détective! D'où tenez-vous des idées aussi saugrenues? Mais nulle part, c'est comme ça que je vous vois, monsieur. Est-ce que j'inspire vraiment autant de passion de la gente féminine? Hunter... On y a encore pas mal de choses sur la victime. Son vrai nom, son passé, on sait rien d'elle, en fait. C'est plutôt bizarre. Salut Quentin. Pas seulement la gente féminine. C'est plutôt bizarre. Si elle voulait dissimuler son identité, pourquoi t'as choisi le métier d'écrivain? Peut-être un simple hasard de la vie, vous savez. Elle ne s'attendait peut-être pas à devenir célèbre. Il est censé être apprenti de Mlle Élise de Nîmes, ou quelque chose comme ça. Je vois. Ouais, il a fait un beau portrait de moi. Oh, c'est gentil, ça. Mais il me l'a fait payer 50 centimes. Ah, désolé. Il n'a pas l'air de beaucoup vous intéresser, monsieur Hunter. Parce que je n'ai aucune envie de parler de lui, c'est tout. Vous avez l'air plutôt tendu. Vous avez l'air plus tendu que la dernière fois que je vous ai vu l'an dernier. Vous trouvez? Moi aussi, je trouve. Non, attendez. Pas tant tendu, en fait. Usé, fatigué, peut-être. Ou juste amaigri. J'avais bien compris, monsieur. Mon salaire diminue comme peu de chagrin. Alors mes choix alimentaires seraient 10 au minimum. Soupe de poulet, premier prix, spaghetti, premier prix, pain, premier prix, voilà quoi. Je croyais que vous adoriez les plats tout prêts. Au bout d'un moment, je m'en suis lassé. Pas comme Bastel et c'est surgelé. Excusez-moi, le nez qui gratte. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, ce type surgit nulle part. Et vous savez quoi, à chaque fois qu'il arrive, je me dis toujours la même chose. Peut-être qu'en fait, c'est lui qui cause tous ces incidents. Je me demande si Detective se rend compte. Comment on pourrait dire exactement la même chose de lui? Ok, bah c'est bien cool, mon petit pote, mais... Pas d'amalgame, bien sûr. Il y a une petite cabane par là, le Hall Divin. Une cabane? Une cage à lapins en ruine pour les ratés qui craignent des courants d'air. Voilà les manières. En fait, ça me rappelle mon appartement. Le nom Hall Divin évoque plutôt un palace. Tenez à se dire, un aussi prestigieux ferait sa publicité mensongère. Au fait, mon appartement est situé au cœur du taudis sous bois. Je trouve pas ça génial comme nom. Bah, c'est-à-dire que l'appart n'est pas génial non plus, monsieur. Ah là, le pauvre détective. Comment il survit, là, franchement, c'est quoi son but? Qu'est-ce qui fait qu'il continue et qu'il poursuit jour après jour avec un salaire de misère, la bouffe de misère? Il peut même plus préparer des saucisses pour sa pote, quoi. C'est chaud, hein. C'est donc le pont que Wright essaie de traverser. Sacrément dangereux, si vous voulez, mon avis. C'est l'amour du service public qui le guide, ouais. Tous les consommateurs de surgène ne sont pas des adeptes de plats surtransformés. On peut dire ça, peut-être. Je m'étonne qu'il ait survécu à la chute. Ouais, c'était un sacré petit vénard, monsieur. Je vois maintenant comment il gagne tous ses procès, il a de la chance. On peut pas dire que ce soit votre cas, détective. Il a une inscription gravée sur une pierre grossièrement taillée. Pont du Néant. L'endroit porte bien son nom. Ça vient de lunettes, monsieur Hunter. Il écrit Pont du Néant. Mais l'erreur est facile à faire, je dois dire, monsieur. C'est vous qui avez besoin de lunettes, détective. Lisez, je vous prie. Ah, effectivement, vous avez raison, c'est bien Pont du Néant. Je suppose que la personne qui a écrit ça fait une faute. Ouais, donc en fait, détective et Hunter, c'est... c'est la partie accusation de... Phoenix et Maya, quoi. Tout simplement. Je m'hydrate juste un petit peu, je suis à vous. Il y a une sacrée distance jusqu'à la montagne, là-bas. Ouais, il doit y avoir près d'une centaine de mètres. Détective, jamais de la vie, ça fait beaucoup moins de 100 mètres. Bah, je dois avouer que j'ai pas trop le sens de distance. Il doit y avoir 20 mètres et impossible de traverser sans un pont, on dirait. Et un téléphone public, on le voit plus beaucoup de nos jours. C'est vrai. Alors, vu qu'il y en a ici, si on prenait une photo en souvenir, hein? Eh bien, oui, pourquoi pas. Oh, flûte, j'ai pas mon appareil photo. Faut que j'achète un appareil jetable. Je reviens tout de suite, monsieur. Qu'est-ce qui trouve si fascinant, ce téléphone public? Bon, moi, j'ai réussi à faire fuir... monsieur Detective. Ok. Ah bah non, en fait, il est encore là. Ok, donc il a rien à dire sur la preuve qu'il m'a filée. On ignore encore pas mal de choses sur la victime. Son vrai nom, son passé, oui en fait. Blablabla, ça on l'a déjà vu. Là, il a rien là-dessus, oups. Rien là-dessus. Est-ce que tu veux voir mon Magatama? Avez-vous déjà vu ceci? Eh, génial, j'avais justement un petit creux. Oh. Qu'est-ce que vous faites, Detective? Ouais, j'ai passé pour un moment, monsieur. J'ai l'impression d'avoir faim tout le temps en ce moment. Ouais. Ils ont dû forcer un peu sur les réductions de salaire. Ça va, il l'a recraché. Hein? Qu'est-ce que ça fait sur votre revers, monsieur Hunter? C'est vraiment si bizarre. Je vois, oui, monsieur. Un procureur qui se promène avec un badge avocat. C'est un peu comme un détective avec un permis de tuer. Ce badge est-il vraiment porteur d'un aussi mauvais présage? Allez hop, on peut se barrer maintenant. 8 février, temple Hazakura, portail principal. Oh Benji, t'as mis du temps. Fais un frein à se figer les neurones. Je savais que c'était une erreur de revenir dans ce pays aussi précipitamment. Et pourquoi? Wright va s'en sortir et l'affaire est elle-même n'a rien d'inhabituel. Et moi je me retrouve à défendre une jeune femme accusée de meurtre. Hé, un instant. Objection. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Hunter? C'est difficile à expliquer, mais une chose menant à une autre... C'est quoi cette excuse bidon? Et tu te considères avocat de la défense? Le procureur Hunter est un procureur, d'où son nom de procureur Hunter. Procureur Hunter, avocat de la défense? Moi, ça me paraît très bizarre, mon gars. Pas vrai, procureur Hunter? Je ne sais plus très bien quel rôle je suis censé jouer dans cette histoire. Allez, Benji. Je te vois pas pendant 2 ans et je te retrouve avec la bouillie à la place du cerveau. Du sorbet, plutôt. On se gèle, ici. Mais Iris a tué personne, l'assassin, c'est quelqu'un d'autre. Je le sais, ok? Il va falloir que tu me crois sur parole. Toujours aussi romantique, hein, Polo. Rassure-toi, je ferai tout ce qu'à mon pouvoir pour prouver son innocence. Du moins, jusqu'à ce que Wright prenne le relais. Je te jure, Iris, c'est un vrai petit soleil. Hein, Benji, c'est pas vrai? Et alors? Pourquoi tu dis rien? Pour aller droit au but, ta remarque m'a grandement alarmé. Croirais-tu en son innocence simplement parce qu'elle est... Enfin, une fille aussi jolie peut pas être criminelle. J'avais donc vu juste. Je n'aurais jamais dû revenir. Non, non, t'inquiète pas. J'y vois clair cette fois, sans mentir. Si on m'avait donné 1 euro pour chaque fois que je l'ai entendu dire ça... Parce que... Bah, Iris c'est une fleur délicate. Faut laisser le temps au temps, tu vois ce que je veux dire. Hein? Je sais absolument pas de quoi tu parles, Paul. Oh. Ah, c'est pas grave. J'ai rien dit. Paul, où étais-tu et que faisais-tu le soir du crime? Paul? Quoi? Ne me dis pas que... Tu crois pas que c'est moi qui fais le coup? Quoi? Va te faire voir, remonte dans ton charter. Hors de ma vue, taré. Et que ton avion s'écrase comme une vieille bouse. Je vais te le demander encore une fois. Où étais-tu le soir du meurtre et que faisais-tu? Le petit coquin. Comme je m'y attendais, un verrou psycho. Ah, désolé mec, tu me connais, je me souviens de rien. Et moi, quand t'aimes, il me ferait passoire. Allez hop, direction la bonque. La prison à bonque pour ce petit gars. Ce portail a l'air plutôt vieux, mais assez solide pour passer l'épreuve du temps. C'est du Hunter tout craché ça, vous savez manier les mots, vous. J'ai toujours apprécié ce type d'élégance classique et intemporelle. C'est exactement ce que je ressens moi aussi. Ce manteau par exemple, comme le bon vin, il se peut avec l'âge. Même le meilleur des vins finit par tourner au vinaigre. Je suggère que vous laviez l'immonde pelure qui vous sert de manteau, détective. Ah là là, si on avait toutes les missions avec Hunter à la place, qu'est-ce que ça en balancerait des punchlines? J'imagine que ce genre d'engin est bien utile là-haut dans les montagnes. Vous savez que vous venez de me donner une excellente idée. Quelque chose me dit qu'il va me la faire partager, que je le veuille ou non. J'ai une idée pour une toute nouvelle invention, qui pourrait me rendre riche. Une invention? Oui, une voiture qui pourrait rouler sur la neige. La voiture neige. Alors, vous en pensez quoi de mon idée, monsieur? Ça vous tenterait? Une fois que vous l'aurez personnellement testé 1 millier de fois, peut-être. D'ici, j'aperçois un petit clocher. Ça me fait penser à un truc. Il y a une question que je me suis toujours posée. Chose me dit qu'il va me la faire partager, que je le veuille ou non. On appelle bien quelqu'un qui ment un menteur, non? Alors pourquoi on n'appelle pas quelqu'un qui sonne la cloche un clocheur? Ou alors un vériteur? Quelqu'un qui dit la vérité? Oh là, je peux pas dormir, moi. Je ne savais pas qu'il réfléchissait autant. Ouais. On l'appelle un clochard. Ce doit être le grand hall, là-bas au fond. Une brillante déduction, monsieur. Vous essayez de me flatter, détective? Joli recours au suspense pour faire monter la tension, monsieur. Wright dit que la mère supérieure a des infos importantes à nous donner. Je ne peux pas rater l'occasion de lui parler. Toi, je ne t'ai pas oublié, mon coco. 8 février, temple Hazakura, Grand Hall. Eh, hey, bonjour. Alors, vous sentez comment? Pas trop mal, finalement. Hein? Qui es-tu? Je m'appelle Benjamin Hunter. Eh bien, un beau garçon comme toi sera toujours le bienvenu. Ah, si les circonstances n'étaient pas si tragiques, j'aurais... Comment ça, garçon? Je suis désolé de vous déranger. Mais je suis à la recherche d'une femme en bikini. Eh bien, tu l'as trouvée. Alors, que puis-je faire pour toi? Pardonnez-moi, mais je ne vois aucun bikini. Contrôle d'identité. Je veux voir ce bikini. Pardonnez-moi, mais je ne vois aucun bikini. C'est-il de... Ah! Non, non. C'était une boutade. Oh. Si tu le demandes gentiment, je te le montrerai peut-être. Oh. Monsieur Hunter, je suis la mère supérieure sur Bikini, c'est notre témoin. Vous n'auriez pas pu me le dire plus tôt. C'est exactement pour ça qu'il continuerait durant votre salaire. Justement, on gargouille en dépit, de dépit. Bon, alors, quelles sont les nouvelles de ma chère Iris? Oula, c'est quoi ce regard bizarre, là? Tes yeux en rectangle? C'est un peu louche, hein. C'est pas très amical, ça. Eh bien, d'abord, j'aimerais que vous me disiez tout ce que vous savez. D'abord, j'aimerais que vous me racontiez ce qui s'est passé hier soir. Eh bien, la nuit dernière, nous recevions une disciple pour un entraînement. Après le dîner, nous sommes allés au temple intérieur, à la salle d'entraînement. Elle parle sans doute de Maya. Quelle heure était-il environ? Je suppose que nous étions partis aux alentours de 21h. Un atelier d'entraînement, ça dure toute la nuit, c'est épuisant comme travail. Et pourquoi toi tu n'étais plus de l'autre côté, hein? Quand ça a pris feu. La mère supérieure du dojo du spiritisme est toujours là. Sauf quand elle l'est pas, pour tout surveiller. Bah vous avez raison, ça a l'air épuisant votre histoire. L'heure n'est pas à la flatterie, détective. Pardon. Aux alentours de 23h, vous avez assisté à l'incident qui a eu lieu dans la cour. Pourtant, vous deviez être au temple intérieur. Pourquoi êtes-vous revenu ici? Hunter qui va directement mettre le doigt là où ça fait mal. Non, arrêtez de me regarder. Arrête de me regarder comme ça, tu me donnes des frissons. Moi aussi j'ai des frissons, mais pas pour les mêmes raisons. Oh, vous frissonnez plutôt facilement, non, monsieur Hunter? Bien, j'aimerais que vous racontiez exactement ce que vous avez vu dans la cour. Il devait être un peu plus de 23h. Ah non, je peux pas en dire plus, c'est trop dur pour mon pauvre cœur. Calmez-vous, ma bonne dame. Lâchez ma cravate! J'ai vu deux personnes, une était allongée au sol. Oh bah dis donc... Ouais mais c'est à cause de la météo, si elle lui est tombée dessus, elle a laissé lui enlever. Oh là là, forcément on va prendre ça comme un meurtre, alors que c'était un acte pour la sauver quoi. L'autre était en train de lui planter un sabre dans le dos. Avez-vous vu le criminel de vos propres yeux? J'ai cru que mes yeux me jouaient un tour, mais c'était Iris. Ça a dû vous faire un sacré choc. Attends une minute. L'épée, elle est pas fine, elle est pas fine dans le sens, elle fait comme ça, zzz, et ensuite il y a des petits tic 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 tic. Comment tu plantes au bout? Parce que dans la photo qu'on avait vue, pas du tout trafiquée, elle avait planté une partie de l'épée, dont les parties qui étaient sur les bords, quoi. Faut sacrément de la force quand même pour défoncer aussi loin. C'est bizarre ça. Bien sûr, mettez-vous donc à sa place. Ce serait un peu comme si vous mettiez à poignarder mes chouettes en plein tribunal. Et que moi je vous retrouve au port de témoin. Je crois que moi aussi je me ferais un sacré choc. Je sais que c'est de la folie, mais c'est ce que j'ai vu. Et quand j'ai enfin compris ce que je voyais, j'ai hurlé et puis je me suis évanoui. Malheureusement pour nous, son témoignage a l'air de tenir la route. Cependant, l'idée même qu'il risque de s'agir de la sorte me semble improbable. Improbable. La jeune fille que je connais serait incapable de ce genre de comportement. En introduisant, Iris est en fait schizophrène. Ou a une sœur jumelle. Je me demande ce qu'elle veut dire par là. En tant que mère supérieure, vous êtes tenu de rester avec vos disciples, pas vrai? Oui, c'est exact. Et tu sais, j'ai peut-être l'air forte, mais en fait, j'ai les lombaires fragiles. Vous souffrez les lombaires? Oui, mon dos est encore plus fragile en hiver, je n'arrive même plus à porter un seau. Il faisait un de ces froids hier, mon dos était raide comme une bougie. Je voulais juste prendre un bain pour me soulager un peu de mes douleurs. Et c'est pour ça que je me suis retourné au grand hall. Excuse. Vous avez donc laissé votre protégée toute seule? Ah, sois pas ridicule, jamais je ferai une chose pareille. J'ai ordonné à Iris de se rendre au temple après la cloche d'extinction des feux. Oui, mais elle n'est jamais allée au temple intérieur, en fait. Cette nonne a-t-elle vraiment vu Iris? Je crois que je ferais mieux de lui demander quelques détails. Quel est le nom de la disciple qui devait s'entraîner au temple intérieur? Elle s'appelle Maya Fey, je l'ai traitée très durement, j'ai honte de l'avouer. Et après qu'elle s'est inscrite à notre cours spécial... Une cours spécial? Oui, il faut s'asseoir sur un bloc glacé d'eau bénite et psalmodier 30 000 fois. Vous n'insinuez pas qu'elle est toujours au temple à s'exercer? Non, bien sûr que non. Tu n'as pas à t'inquiéter du tout. Hier soir, nous n'avions pas encore commencé la séance de travail proprement dite. Bien, bon, ça va. Oh, technique de clonage, et puis c'est pour ça que c'est pas les mêmes empreintes. Elle a différents clones avec différentes empreintes pour faire tous ces méfaits. Oh mon dieu, j'ai oublié de vous dire quelque chose. J'ai l'impression que je vais pas aimer la suite. Vous connaissez cette petite fille? Je pense que c'est la petite sœur de Mystique Maya. Maya, une petite sœur? Ah, vous voulez parler de la petite Pearl? C'est la cousine de Maya Fey. Maya. La petite Pearl? Je croyais qu'elle allait rendre visite à Mystique et Élise après la vaisselle, mais je ne l'ai pas revue du tout depuis hier soir. On la trouve nulle part. Vous voulez dire que... elle était avec la victime? Tout ça, c'est de la faute de mon vieux dos tout cassé. Une petite fille qui était avec la victime la nuit du meurtre a disparu. Comme on dit, l'affaire se corse. Ouais, donc rien d'intéressant là-dessus. Regarde, j'ai un Magatama. C'est un vrai Magatama du clan Fey. Tu tiens un trésor inestimable dans tes mains. Waouh, vous m'impressionnez, monsieur. Vous me surprendrez toujours. Oui, on ne dirait pas, mais je vois que tu crois assidûment à l'occulte. Pardon? Ah, bien sûr, cet objet ne pourrait pas être un original, mais c'est une belle copie. Tu es donc un véritable fan de la tradition Kurain. Waouh, vous m'impressionnez, monsieur, vous me surprendrez toujours. J'aurais dû éviter de montrer ce truc à tout le monde. Ah, tiens, mais qu'est-ce que nous avons tous? Attends, mais comment il sait qu'il y a ça? Parce que bon, on l'a pas pris avec nous, quoi. C'est la maîtresse de la technique de channeling Kurain, mystique Misty Fey. Feuille. Ça va faire bientôt 20 ans que Misty a disparu. Apparemment, elle avait l'intention de léguer le titre de maîtresse à sa fille. Qui est sa fille? Eh bien, je suis moi-même membre d'une branche de la famille du clan Fey, mais je ne suis pas à même de divulguer des informations sur le noyau de la famille. Mais moi je sais. Et tiens, le voilà l'antidémon. Nos disciples sont très vulnérables aux esprits maléfiques. Alors, pour nous protéger, nous portons ceci. Oh, je vois. Qu'attends-tu? Ce n'est pas en le regardant que tu te seras protégé, tu sais. Vas-y, mets-le. Non, je ne peux pas, j'étais juste... Ça vous va comme un gant, monsieur. Vous moquez de moi, détective? Tu as l'air divin. Tu n'as qu'à le garder un peu. C'est là une sorte de rétribution divine. Eh oui, on porte le voile, ça y est. Ok, elle a rien à dire là-dessus. Oups. À propos de cette photo... Regarde-moi ça, ne suis-je pas sexy? On voit rien du tout en plus, hein, de sa gueule avec cette opacité du blabla. Du bandeau de texte. Ouais, totalement. Jusqu'à récemment, nous étions la publicité... Hein? Ah, nous évitions, pardon, la publicité dans tel magazine. Mais cette fois, nous avions nos raisons. Vraiment, par exemple... Eh bien, pourquoi priver le monde d'une telle frimousse? Quelle raison? Oh! Comment quelqu'un a-t-il pu faire une chose pareille? Tout est de ma faute! Allez, ma bonne dame, c'est pas la peine de vous flageller comme ça. Tais-toi donc! Est-ce que tu sais de quoi tu parles, peut-être? Oui, vous me faites peur! Toi, ton manteau miteux et ta barbe de 2 jours, j'aurais préféré que ce soit toi qui disparaisse. Ambiance. Pourquoi c'est moi qui prends? Aïe aïe aïe, détective. Ce couleur sonne un peu faux, je trouve. Ok, rien pour le reste, très bien. Ah, mais on peut présenter des bonhommes aussi. Cet homme, son visage dégage une grande souffrance et une immense lassitude. Certes. Cependant, je n'arrive pas à croire qu'il ait vraiment sauté dans le torrent. Pensez à toutes les choses qu'il aurait pu faire s'il avait vécu encore un peu. Le travail spirituel acharné, ce n'est pas tout dans la vie, hein? Ce n'est pas tout dans la vie, vous savez. On dirait qu'elle regrette certains choix qu'elle a fait dans sa vie. J'aurais peut-être laissé détective lui expliquer ce qui revient, right? Ne me regardez pas comme ça, je suis pas là pour faire votre sale boulot, monsieur. Ok, rien à dire sur Wright. Sur détective, pardon. C'est bien l'apprenti de Mystique Élise, non? Je le soupçonne d'en pincer un chouïa pour moi. Quel jeune homme adorable. Hein? Ah, je ne lui en veux pas, sœur Bikini comprend bien les pulsions de la jeunesse. Je n'en doute pas un instant. Mais il est clair qu'il m'est impossible d'abuser de ma position de mère supérieure. Par contre, j'avoue lui avoir permis de faire un portrait de ma personne. Au moins, elle a l'air facile à caricaturer. Oh, comment quelqu'un a-tu pu faire une chose pareille? Tout est de ma faute. Oui, bon, on l'a déjà entendu cela. Blablabla. Vous avez dit avoir accompagné Maya à la salle d'entraînement hier soir. Avez-vous vu Iris quand vous étiez là-bas? Eh bien sûr que je l'ai vu. Je lui ai dit de nous retrouver après avoir sonné la cloche de 22h. Alors d'après vous, Iris est bienvenue au temple intérieur, c'est ça? Ah bien sûr, Iris a toujours été une jeune fille très obéissante. Ensuite, nous avons commencé la séance du travail de Maya. Voilà qui ne colle pas du tout avec la version d'Iris. Elle affirme n'être jamais allée au temple intérieur. Comme on dit, l'affaire se corse. Bon, elle connaît sûrement pas Godot. Tout est de ma faute, moi et mon dos à la noix. Une mystique Élise assassinée, une dissipée coincée, une petite fille a disparu. Oh, soyez pas si négatif, c'est pas bon, faute karma ça. Ah, tu as raison, il faut que je me remette à prendre des cours, moi. C'est une invitée de grande importance, tu sais, une disciple de Marc. De Marc? Comment ça? Le nom de Fey est synonyme de technique de channeling Kurain. C'est pourquoi son pouvoir de médium doit être immense. Mais là que vous en parlez, il y a un an, on a traité une affaire à propos du maître de la technique de channeling Kurain. Tactile. Je ne crois pas au surnaturel, je n'ai pas de temps à perdre avec ces imbécilités. Oh, alors, ça vous file les jetons, hein, monsieur Hunter. Ça n'a rien à voir avec ça. Oh, mais cette pauvre petite, où a-t-elle bien pu passer? Mais on a vérifié chez elle et elle n'y est pas. Ils nous ont fouillé tout le temple sans succès. Ce qui signifie qu'il ne reste pas beaucoup d'endroits où vérifier. Vous ne pensez pas qu'elle est tombée du pont, hein, qu'elle a été entraînée par le courant? Pourquoi êtes-vous toujours si pessimiste, Tectile? J'essaie de penser comme vous, monsieur Hunter. Quelle ironie, je ne suis pas devenu pessimiste. Je suis devenu pessimiste qu'après avoir travaillé avec vous. Aïe aïe aïe, coup dur sur coup dur. Ah, il prend la patte. S'il y a un indice là, mon petit pote. Il y a d'autres coussins dans un coin de la pièce. C'est quoi ce bout de papier qui dépasse sous la pile? J'en sais rien. Pourriez-vous jeter un coup d'œil, détective? Oui, monsieur. Tenez, j'adore. On dirait une vieille enveloppe en papier craft. Qui a-t-il, détective? Ce truc. C'est pour être ce qu'on cherchait, notre indice. Notre preuve incontournable. Dans ce cas, je suppose que je devrais le lire moi-même. Il y a une lettre adressée à Sœur Iris. Ce soir, 22h au Hall Divin, si vous voulez garder votre secret. On dirait une lettre de chantage. Ce sera la deuxième fois qu'elle se prend ça. Note à Iris, trouvée dans le grand hall. Elle l'a fait tomber. Bien, monsieur Hunter. Pourquoi je ne trouve jamais ce genre d'indice? C'est un procureur ultra important, un procureur vraiment sans sas. Eh bien, il faudrait être un débile profond pour rater un indice aussi évident. Oh, malheureusement qu'il n'y a pas de réponse de détective. Bah oui, elle a déjà subi un chantage. Enfin, peut-être pas elle si c'était pas Dahlia. Mais son jumeau, son clone, a déjà subi un chantage. Il y a des écritures partout sur les murs. On doit se taper de sacrés cauchemars en dormant ici. C'est notre grand hall, il est protégé par toute une série de sorts magiques. Ils ont été conçus pour empêcher les forces maléfiques d'entrer ici. Enfin, K4. Elle s'est faite... Okay. Elle s'est faite chantager par sa propre sœur. au pont. Alors si je dors ici, le vilain croque-mitaine ne me chatouillera pas. Génial. Ça lui arrive de penser à autre chose que manger et dormir. Ouais, donc c'est vraiment Maya, mais en version adulte. C'est un hôtel avec un Magatama géant posé dessus. Et il y a plein de bougies alignées aussi. Vous savez, ça va faire un bail que je n'ai pas eu de fête d'anniversaire. Vous devriez peut-être souffler toutes ces bougies pour compenser. Monsieur Hunter, ça vous embêterait de chanter Joyeux anniversaire? Arrêtez tout de suite, que personne ne souffle sur ces bougies. La sœur l'a pas fait chanter. Non, elle l'a pas fait chanter, elle a juste dit « Tu viens, il faut que je dise tout maintenant, la vérité doit éclater, soit. » Cet objet donne à la pièce une certaine présence, c'est indéniable. C'est le petit Magatama, un héritage très précieux qui contient de nombreuses âmes. Hein? Le petit? Il ressemble à quoi le grand? Le grand Magatama est exposé dans le manoir du salon Fey. Non, le grand salon du manoir Fey plutôt. Il devait faire partie de l'exposition des trésors de Kurain, mais il est tellement grand qu'il ne passait pas à travers les portes. Ok. Oh, il tient pour chat, mais... Ils sont où tous les chats? Ça s'appelle un brasero, ça sert à chauffer la pièce. Oh, regardez-moi tous ces anciens frisbees en paille. C'est un type de coussin japonais appelé Zabuton. Pourquoi vous n'arrêtez pas de me contrarier? Hein, monsieur Hunter, pourquoi? Parce que ça vous ferait pas de mal de vous cultiver un peu, Tecti. Oh là là, cette dynamique entre les deux. Incroyable. Tout bonnement incroyable. Bien, on a quelques infos en plus. 8 février, temple Hazakura, cours. Et voilà le lieu du crime, monsieur. Nous avons enlevé le corps, mais nous n'avons rien touché d'autre. Merci, détective, je souhaite juste jeter un coup d'œil. On dirait que la police continue son enquête. Au fait, je préfère vous demander, juste pour être sûr, vous avez vraiment l'intention de défendre cette bonne sœur, Iris, demain, au procès? Oui, j'ai donné ma parole, et maintenant, je me dois de respecter mes engagements. Ah ben, dans ce cas-là, il vaut mieux que je fasse attention. Je ne dois pas divulguer d'éléments du dossier de l'accusation, alors. Vous en faites pas pour ça, détective. Contentez-vous de fermer la bouche et tout sortira naturellement. Bien sûr, monsieur. J'en suis 5 sur 5. Très bien, détective. Par chance, cette diarrhée verbale est incurable. Oh là 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 là, mais Hunter, il a aucun filtre. Waouh. Une lanterne, ils doivent l'allumer la nuit. La lueur d'une flamme a quelque chose d'élégant. Chaque fin de mois, j'aime me détendre dans ma chambre à la lueur des chandelles. Détective, vous n'avez pas les moyens de vous payer l'électricité? Qui vous l'a dit? Qu'est-ce que c'est? Il dirait un bâton d'enchanteur et il manque la boule. Il appartenait à la victime, c'est à l'Élise de Nîmes. Il n'y a rien d'étrange ou de magique. Ah oui, écoutez, rien contre nous, ok? Oui. Quoi? C'est top secret, on ne dit rien à personne. Promis. En vérité, quand j'étais gamin, je voulais être enchanteur. C'est tout? C'est ça votre information top secrète? Oui. Ce bâton était taillé dans un bois particulièrement résistant. Et les empreintes, il est emporté? Celle de la victime, oui, mais c'est tout. Bâton de la victime, porté par Alice de Nîmes, de son vivant. Les empreintes sont dessus. Comment ils ont pu choper les empreintes et laisser le bâton là où il était? Normalement, il va pas dans un labo. Ça n'a pas de sens. Le grand du temple Hazakura se trouve juste au-dessus de nous. Hey, c'est vrai, j'étais sûr que le grand hall n'avait qu'un seul niveau. Le temple Hazakura était construit sur un flanc à pic de la montagne. L'avant et l'arrière du grand hall ne sont pas au même niveau. Oh, c'est logique. Il aurait pourtant été plus facile de construire l'édifice penché, non? Ne me dites pas qu'il est sérieux. Oh, le ski, c'est super! Vous aimez skier, pourtant vous n'avez pas l'air du genre... riche. Et la luge, vous en pensez quoi? La luge? Ah, c'est pour les gosses. Et puis ça casserait mon image de dur à cuire. Pourquoi vous dites rien, M. Hunter? Le monde devient fou, quoi. Alors, si tu sais... Ah, ça y est. C'est là où je vais avoir mon succès, je pense. Le portail principal doit être juste derrière ce mur de pierre. Oh, les murs de pierre. J'en ai escaladé un paquet quand j'étais gosse. La plupart m'ont laissé en souvenir, mais pas tous. Détective, personne ne vous oblige à commenter tout ce qui vous entoure. Oh! Je me suis fait avoir, je pensais que ce serait une discussion sur les escabeaux et les échelles, mais non. Et pourtant, c'est la dernière... Ah ouais? C'est la dernière enquête et je suis censé parler des escabeaux dans toute la trilogie, j'en ai loupé alors. Étrange. Donc, le sable de cette statue en or est l'arme du crime? Ouais, ils appellent ça un shichishito. Shichishito, pardon. Une arme très dangereuse, monsieur. Elle porte encore des traces de sang, elle semble la victime, je présume. Oui, la lame est en est couverte. Et à propos de ça, la garde du shichishito est couverte d'empreintes digitales. Des empreintes digitales? Évidemment, elles correspondent aux empreintes de la jeune nonne, l'accusée. Ces empreintes sont sur l'âme du crime? Eh, la luge, c'est très bien en plus, ouais. Tu peux être dur à cuire sur une luge, hein, il suffit d'être debout. Que se passe-t-il? Vous avez l'air bien sombre tout à coup. C'est toujours comme ça pour Wright? C'est ça, être avocat de la défense? Oh, ouais, j'imagine que c'est pas très plaisant. Non, franchement, j'ai l'impression que ce soit... J'ai pas l'impression que ce soit très bon pour la santé. Chez Shichito, l'arme du crime, elle porte le sang et les empreintes digitales du suspect. Ok. Je crois qu'on a tout vu. Yep. Il y avait un shichishito dans la brute. Ah oui, le jeu Muxu pour ceux qui avaient besoin de contexte. La victime est la célèbre auteure de livres illustrés, moi c'est Alice de Nîmes. Son passé avant le prix qui lui a été décerné l'année dernière est un mystère. On a du mal à croire qu'il y a encore des gens comme elle à notre époque. L'heure du décès est estimée entre... de 22h à 23h le 7 février. Elle est morte d'une hémorragie poignardée dans le dos avec l'arme du crime. L'arme du crime? Elle a été retrouvée et transpercée par un sabre géant, monsieur. C'est horrible! Ouais, mais il y a un truc qui me chiffonne. Quoi? Le corps de la victime est couvert de bleu. Les bleus indiquent qu'elle a chuté de l'équivalent du premier étage d'un bâtiment. Le premier étage d'un bâtiment? C'est-à-dire la hauteur de la pièce que nous voyons devant nous? C'est exact, bravo monsieur Hunter. C'est justement là que résidait mademoiselle Élise de Nîmes. On l'a peut-être défenestrée après l'avoir poignardée. Rapport d'autopsie d'Élise, heure 22-23h, cause poignardée dans le dos, chute de 3 mètres de haut après le décès. Bon, détective. Récapitulons ce que nous savons pour l'instant. Ok, jetons un coup d'œil au plan. Dans son témoignage, sur Bikini, la mère supérieure, dit qu'elle est allée avec Maya Fey au temple intérieur après dîner. Voilà là. Vous avez vu la production? À 22h après avoir suivi l'extinction des feux, Iris est allée au temple intérieur. Quand elle est arrivée, Bikini lui a cédé sa place avant de retourner au temple Hazakura. Après avoir pris un bain chaud pour soulager son dos, Sœur Bikini a vu le meurtre dans la cour. En effet, le budget est là-haut. Là-haut. Si vous voulez en savoir plus, demandez à Bikini dans le grand hall. Le temple intérieur, hein, j'aimerais en savoir plus sur cet endroit. Le procès commence demain, vous savez qui sera procureur? Je crois bien que ce sera Godot, mais... personne n'a pu le contacter et on cherche un substitut. Comment ça? C'est bizarre, mais brusquement, personne n'arrive à lui mettre la main dessus. Je me demande si les rumeurs sont bien fondées. Comme M. Wright a la grippe et qu'il ne défendra pas, ils sont les désintéressés. J'ai l'intention de jouer mon rôle de tribunal en tant qu'avocat de la défense. Cela étant, cela me gênerait si quelqu'un apprenait que je suis en fait procureur. Ouais, ça se comprend, mais avec moi, vous n'avez rien à craindre. Le vrai problème, c'est le juge. Je crois qu'il me reconnaîtrait, même après une si longue absence. Ah bah, vu comment, et vous étiez copains comme cochons tous les deux. C'est pour ça que j'ai demandé que l'affaire se confie à un autre juge. On ne s'est vu qu'une fois, avec un peu de chance, il m'aura oublié. Ouais, mais... Et le procureur? Tout le monde vous connaît dans le bureau de procureur, non? Si quelqu'un vendait la mèche, ça n'arrangerait pas vos affaires, hein. Non, pas de souci. J'ai tiré quelques ficelles et je me suis arrangé pour choisir procureur. Oh, monsieur Hunter, j'ignorais que vous aviez une telle influence. Bon bah c'est gagné du coup, alors. C'est lui qui choisit le juge, c'est lui qui choisit le procureur. Il est juste à dire, je propose non coupable. Clac, allez c'est fini. C'est quoi ce temple intérieur au centre des Mayas? Bikini m'a dit que c'est un vieux bâtiment qui sert à former les disciples. Il est de l'autre côté du pont du Néant. Le pont qui a brûlé, hein? Il y a autre chose de l'autre côté du pont à part le temple intérieur? Non, rien. Rien? L'autre côté est entouré de falaises. On dirait une petite île là-bas. Donc il n'y a rien là-bas à part le temple intérieur. J'ai entendu dire que c'est pas le genre d'endroit où on aimerait passer ses vacances. Oh Maya, pourvu qu'il ne te soit rien arrivé. Allez, on se casse. Toi, t'as rien à dire de plus. Ok. Là. 8 février, temple Hazakura, portail principal. Je ne vois pas nulle part. Oh, peut-être qu'on lui a fait peur. Son cœur était fermé par un puissant verrou psycho. Il vaut mieux que j'aille le chercher. Quel boulet, celui-là. Change jamais, Benjamin. On t'aime comme tu es. Il est pas là non plus. Ça, c'est louche. Il s'est barré, carrément. Bon. Bah, du coup, retour au centre. 8 février, centre de détention, parloir. Ah, monsieur Hunter. Je suis revenu car j'ai encore quelques questions à vous poser. Mais je vous ai déjà dit tout ce que... Iris, je vous en prie, souvenez-vous. Je suis votre allié, vous pouvez tout me dire. Oui, merci. Je viens de parler à la mère supérieure du temple Hazakura. Elle a témoigné très clairement de ce qui s'est passé. Elle affirme que... Elle vous a vu sabrer mademoiselle Élise de Nîmes. Edgeworth n'a qu'à choisir Pain. J'ai déjà oublié qui c'était Pain. Pain. Je n'ai pas tout. Elle dit que quand Maya Fey a commencé son entraînement au temple intérieur, vous étiez bel et bien présente. Quoi? Lors de notre dernière conversation, vous avez dit n'être jamais allé au temple. Et pourtant, Sœur Bikini affirme qu'elle vous y a vu cette nuit-là. Ah oui, ouais, c'est le boulard. Boulet, pardon. Plus boulet que boulard, à mon avis. Ouais, Claude Boulet, probablement, un truc comme ça. Ou alors, il n'y avait pas de nom, juste Boulet. Mais je... Je n'y ai pas mis les pieds. Je ne suis pas allé au temple intérieur hier soir. Elle n'est visiblement pas disposée à avouer la vérité. Je me demande si j'aurai les réponses à mes questions en brisant ces verrous psychos. Je me demande si c'est exactement ce qu'on me demande de faire. Tiens. Regarde mon Magatama. Bla 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 bla. C'est ça qui vous effrayait, hein? J'ai trouvé cette lettre dans le grand hall. Elle vous est adressée. Oh, Eh bien, Iris? Pourquoi vous me fixez comme ça? Vous aviez peur du maître chanteur qui vous a envoyé cette lettre, pas vrai? Est-ce la preuve? Ou l'intense pouvoir de mon regard qui a brisé ce verrou? Bah, j'imagine que ça n'a pas grande importance. Mais, monsieur Hunter... Oui? Moi, je pensais que cette lettre venait de quelqu'un qui voulait me faire une farce. Une farce? Ben, oui. Après tout, même si j'ai un secret, rien ne dit que c'est un secret qui pourrait me faire du mal. Ah, la vilaine. Je me le demande. Sœur Bikini est comme une mère pour moi. Jamais je ne lui cacherai quoi que ce soit. En temps normal, vous n'avez peut-être rien à cacher. Toutefois, la souricière fait indéniablement exception à la règle. Malheureusement, je ne connais pas encore la nature exacte de votre secret. Néanmoins, quoi qu'il en soit, vous tenez absolument à ce qu'une certaine personne n'en sache rien. Je peux pas sauvegarder. C'est quoi déjà ce qu'il y avait écrit dessus ? Salutations ici, il faut que je vous dise quelque chose, rendez-vous ce soir à 22h grand hall si vous voulez garder votre secret. Donc qui? Ben, j'imagine que Bikini devait pas connaître le secret. Les autres elles s'en fichent quoi. Eh bien Iris? Monsieur Hunter, serait-il possible? Ouais donc j'imagine que c'est pas ça. Pourquoi dites-vous cela? Parce que je sais ce que ça fait. Ah non, c'était peut-être ça en fait. Parce que du coup, elle m'a demandé si j'avais un secret. Ah bah non, c'était pas ça. Blablabla. Bon. Bah elle alors? Non, du coup c'est... Par loin. C'était Phoenix. Phoenix Wright. Phoenix Wright a l'air de se soucier de vous. Et je vois bien que vous l'estimez beaucoup aussi. C'est pour ça que vous ne vouliez pas qu'il apprenne votre sombre secret. Eh bien, qu'avez-vous à lire à cela? J'aurais dû m'en douter. Surtout de la part d'un de ses amis. Après le repas, j'ai trouvé cette lettre dans ma chambre. Comme je l'ai déjà dit, elle m'a fait peur. Qu'est-ce que c'est que ce hall divin mentionné dans la lettre? Une petite cabane de montagne nichée au pied du pont du Néant. Une petite cabane, hein? Ou plutôt une cabane en ruine où personne ne voudrait y mettre les pieds. Ah, où se trouve-t-elle sur cette carte? Juste là, bah tiens donc. Pourquoi personne n'y est allé avant, hein? C'est par là. Pour y parvenir, vous devez suivre un petit chemin à partir du pont. Pour aller au temple intérieur, je n'avais pas d'autre choix que de traverser ce pont. Mais l'idée qu'un terrible criminel puisse se cacher dans le hall divin m'a complètement paniqué, alors j'ai tout fait pour oublier l'histoire. C'est donc ça le secret que vous gardiez verrouillé dans votre cœur? Oui. Je crois que je vais devoir aller jeter un coup d'œil à ce hall divin. J'aurais peut-être les traces de notre mystérieux maître chanteur. Pour résumer, vous affirmez toujours ne pas avoir quitté votre chambre hier soir. Oui, c'est la vérité. Témoignage d'Iris. Ah ouais, ça c'est bien la première fois qu'on chope comme preuve un témoignage de notre... la personne qu'on défend. Bravo. Bravo Benjamin. A sonné l'extinction des feux à 22h, resté dans sa chambre jusqu'à découvert du corps. Le procès commence demain. Et je vous promets que je vais gagner. Je vais gagner pour que vous et Phoenix Wright puissiez vous revoir. Mais une fois réunis, vous devez me promettre de lui dire votre secret. Cela ne servira à rien. Qu'est-ce que vous fait dire ça? Parce que même si moi je sais qui est Phoenix Wright, lui n'a aucune idée de qui je suis. Ah bon? Il a eu son amnésie entre-temps ou... Et on peut pas presser ce sujet pour savoir un petit peu plus pourquoi elle dit ça. Bizarre. Vraiment bizarre. Oh non. 8 février, Hall Divin. Ben, parler d'une vue. Remarquez, elle est toujours mieux que celle que j'ai dans mon appartement. Chut, il y a quelqu'un ici. Cachez-vous, détective. Regardez ce bleu là, il est dégueulasse. Dégueulasse. C'est pas vrai, non, 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 pourquoi ça n'arrive qu'à moi ce truc là? Dès que j'aurai une fille sympa, elle se tire. J'en même suivi une jusqu'au Japon, la prochaine fois, ce sera la tôle. Je vais tirer l'arfeuille de l'inspecteur en me mettre en tôle, sûr. Non, je peux pas faire ça à un gars qui a l'air encore plus paumé que moi. Oh, c'est bon, il parle tout seul. Chut! Taisez-vous, écoutez! Ah, je le savais. J'aurais pas dû faire ça. Je me suis encore planté. Faire ça? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Et vous, à propos de ce que vous venez de dire, j'ai une objection. Qu'est-ce que c'est? Benji, sale traître! Regard furieux. Détective, pauvre imbécile! Je suis désolé, monsieur. Avant que j'aie pu réfléchir, je m'entendais crier objection. Et une voix claire et catégorique, avec l'index pointé et tout. Vous avez assisté à trop de procès. Je suis désolé. Ok, Paul, la fête est terminée. Qu'as-tu à dire pour te justifier? Regardez-moi cette déco, quoi. Ah! Ah! C'est quoi cette décoration colorée? Ça me rappelle les cours d'art plastique à l'école. Il fallait décorer la classe avec des trucs en origami, tu te souviens? Eh ben je me souviens bien, t'avais deux mains gauches. Bon, vraiment? Ouais, ce type était tellement mauvais que tous ses pièges ressemblaient à la... partaient à la poubelle. On essayait de le consoler, mais il arrêtait pas de pleurnicher. Oh vraiment, j'aurais jamais cru... Taisez-vous maintenant! Jamais je n'oublierai la honte que j'ai ressentie ce jour-là. Mais maintenant, je suis coupable, par le capable de faire des cocottes d'1 centimètre. Je vais te dire, Benji. Savoir plier les cocottes d'1 centimètre est d'une grande qualité. Ouais, c'est carrément un exploit pour Kurain. Enfin, c'est exactement pour ça que je déteste les amis d'enfance. Voici la rivière Aigle. Le courant est si rapide qu'elle ne gèle jamais, même en hiver. Si elle avait été gelée, Wright aurait eu de sérieux ennuis. Ça c'est sûr. Il aurait atterri sur la glace et il aurait glissé jusqu'à la mer. Ce n'est pas tout à fait ce que je voulais dire, mais tant pis. Ça devient un sacré problème de graffiti, mon gars. Vous savez pas ce que vous dites, inspecteur. Ça c'est de l'art. C'est l'expression de mes sentiments passionnés pour Iris. Paul... Sais-tu ce qui différencie les graffitis de l'art véritable? Sa manière dont l'artiste lui-même définit son art. J'aurais dû la voir venir, celle-là. Ah, si c'est le cas, tous mes paniers repas sont aussi des chefs-d'œuvre, mon gars. Le toit de chaume est couvert entièrement de neige. Qu'est-ce que c'est beau comme image, j'ai toujours aimé le look rustique. Hall Divin, dans un sens, c'est un nom bien choisi. Ah, t'as pas tort. Mate ce pont là-bas. Ici, c'est le paradis, et par là, on descend à l'enfer. Oh, tu ferais bien de te rappeler que pour certains, cet endroit est sacré. C'est un peu loin, mais j'ai une vue très claire du pont du Néant ici. Ah, je suis pas encore revenu. J'en suis pas encore revenu, pardon. Sans blague. Qu'y a-t-il, Paul? Rien. C'est rien. Moi, ça me paraît suspect. Il y a un truc qui sent mauvais dans cette histoire. Et vous savez ce qu'on dit. Non, pas vraiment, mais du coup, on ne le saura pas, je présume. Ok. Je peux pas aller à l'intérieur, c'est nul. C'est quoi cette petite cabane? Ben, je viens juste de la découvrir hier. Qu'est-ce que tu faisais par ici, au juste? Un artiste est toujours en quête de lieux évocateurs. Ici, c'est royal, c'est artistique. C'est tranquille, froid, il n'y a pas d'électricité, on dirait que ça va s'effondrer. On dirait que c'est mon appart que vous décrivez là. Une chose est sûre, ce n'est pas ici que quelqu'un viendrait vous déranger. Je vous sers à boire? Un peu de chaude, par exemple? Je crois qu'il se prend pour notre pote, monsieur. Écoute-moi bien, Benji. Tu dois m'aider. Il faut sauver Iris. Comment peux-tu être aussi sûr de son innocence? C'est parce qu'elle est jolie? Pousse pas le bouchon! De toute façon, j'ai déjà pris ma décision. Je vais l'épouser. Hunter fait comme si vous n'avez pas entendu, alors je vais demander pour lui. Vous avez déjà demandé cette fille en mariage? Non, non, pas encore. Mais je vois bien dans son regard qu'elle dira oui. Ses yeux me disent, tu es l'homme de ma vie. Je parie que Nick tombera des nues. Il n'aurait jamais cru que je finirais par épouser une fille aussi belle. Quelque chose me dit que ça lui ferait un choc, en effet. C'est pour ça que je voulais éviter tout danger. Qu'est-ce que je fais, moi, si elle se fait malin? Mais qu'est-ce qu'il essaye de dire, ce type? Je l'ai largué depuis bien longtemps. Si on veut vraiment découvrir la réponse à cette question, nous allons devoir traîner à la barre des témoins. Maintenant que j'y songe, tu n'as toujours pas répondu à ma question. Où étais-tu et que faisais-tu hier soir? C'est pas vrai, t'as pas d'autre sujet de conversation? Si j'ai comme ça, t'aurais jamais la cote avec les filles. Pas comme moi. C'est bon, du calme, j'ai compris. Si tu veux vraiment le savoir, la nuit dernière, j'ai vu un truc incroyable. Un truc incroyable? Tiens, de 5, on est passé à 3. Ouais, mais parlons pas de ça. Parlons plutôt du passé, du bon vieux temps, d'accord? Allez, je te verse une bonne tasse d'eau chaude. Il n'a pas encore compris. Je déteste parler du bon vieux temps, surtout avec lui. Eh bien, je vais faire une petite save. On va laisser la partie comprendre ce qui va pas dans son discours pour la semaine prochaine, normalement. Parce qu'il est 23 h bientôt. Et moi, je suis claqué. J'essaie de voir, je vois pas ce qui... Pour l'aider à lui faire casser prise. Donc on laisse ça pour la prochaine fois. Petite save encore une fois, je pourrais être sûr. Ma voix déraille, c'est la fin. Merci K4, Bastel, Quentin. Que je remonte, Véni bien sûr. Et... Bah, d'autres personnes qui seraient venues sans parlementer du coup. Je vous laisse là pour ce soir, je vous souhaite une excellente nuit, un bon week-end, et je vous retrouve normalement et dimanche. Très bien, bye bye. Pouf.